Et bonsoir à tous, bienvenue à l'ami El Rourou. Alors, merci pour le soutien. Allez, on est parti, 18e let's play. On approche un petit peu de la fin, hein. On a encore un peu de temps quand même. Alors, comment vas-tu, El Rourou? Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ok, bon, alors on était à Kyoto. On était où? On avait débloqué quelques missions de lien et tout, mais bon, là on va se focaliser. Sur les missions principales. Ah, ça plus tard. Alors, mission principale niveau 36. On est 44, mais ça va. C'est pas trop. Bon, j'ai nettoyé un petit peu la zone en off. On va STP. Ah, on a un drapeau doré là, on va aller le faire. M'en manque. Attendez, on va regarder combien il m'en manque. Merde, c'est où? Ah voilà, c'est les rencontres fortuites, il m'en faut 50, je suis à 39, donc... Putain, mais... Il y a des gros et tout. Allez, cours-moi dessus, toi. Voilà. Merde. Aïe, c'est plus cher. Ah putain, mauvais réflexe. Putain. Voilà, là on a réussi un bon contre. Du coup on le pulvérise. Allez. On l'a buté. Allez, c'est bon, lui on l'a défendu. Nous peut-être nous donner quelque chose. Ok, gants de la brise marine. Ouais, bon, rien de folichon, mais on s'en fiche, c'est pour. Pour le trophée, ça sera plus tard. Ah, il y a un petit chat derrière nous, on va aller chercher vite fait avant d'aller à la mission. Bah ça va, c'est pas un chat heureux, hein.
Allez, hop. Ok, on retrouve Ryoma. これは何があったかじゃ。ここらの向こうは切られたばっかりのようじゃけんど、カズラさんが心配じゃ。早う見つけんと。よし、向こうを探してみるぜよ。 Trouver Katsura. Putain, les enchaînements comme ça sont chauds à parer. Merci petit scarabée. Alors, faudrait que je me le fasse un jour. Pourtant, je suis gros amateur des jeux de la Team Ninja. Ah, il est vraiment très bon, hein. La difficulté est bien dosée dans l'ensemble. Rester en mode difficulté, tu sais, normal, il y a 3 modes de difficulté. Il y a des combats qui piquent un peu, notamment quand t'as plusieurs boss. Mais dans l'ensemble, ça se fait pas trop mal si tu farmes. Enfin voilà quoi. Tu farmes, tu grindes un peu et ça passe tout seul. Sarage, salut la barjotte. Non, pas encore. Le farm, ça me connaît. Ouais, je sais, Tom. Enfin, El Rourou, putain. Encore du mal avec ça. Comment vas-tu, barjotte? Tu t'es remis de ton mud day? Pourquoi l'émoticône qui est triste, c'est parce que je rage pas encore? Ça va bien et toi? Ouais, bah ouais, j'ai vu, ouais, dans les messages, t'avais encore mal. Bah écoute, sinon barjotte, moi ça va. Là j'ai ma fille en stage avec moi toute la semaine, donc on bosse, mais c'est forcément un petit peu plus souple que quand je suis tout seul ou c'est souvent des journées sans pause et tout ça quoi. Ok, allez au temple Kiyomizu. Ah, j'y étais tout à l'heure. Fais quoi de quoi mon métier? On doit aller où? Au temple. Ah, on doit aller là, ok.
Non, je suis pas agent secret, moi. non, je travaille dans le domaine de la protection incendie. Et moi, je suis responsable des achats, de la gestion des stocks et j'ai une équipe au niveau de l'atelier pour tout ce qui est recharge extincteur et tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail. Un rôle, mine de rien, quand même assez important. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Enfin, vite fait, ça dépend sur certains sujets, si, quand même. Mais ma société n'appartient pas à la CIA. Enfin, pas ma connaissance. On est en train de se refriter tous les amis qu'on s'est fait, quoi. よし、ほいたら寺に乗り込むぜよ。いきなり追い出さねんよ。こらえを見て入るかの。境内は広そうじゃ。まずは西郷さんを探さんと。 Ouais, alors sélection des partenaires. Alors ouais, et moi ça, tous ceux qui sont morts ou qui peuvent pas rejoindre. Alors apprendre Alexandria Moreau, elle a du poison, elle. Elle appartient à un conglomérat maçonno-reptilien. Oh, la Terre triangulaire. Qui ça, la Barjotte? Ouais, je crois. Ok, alors. Des ennemis cachent ou pas? Ah ouais, direct. Hein. Ok, on a... trois ennemis. Oh, enculé. J'ai chopé direct. On va essayer de jouer discret. Ah, c'est pour te taquiner, Barjotte. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas prendre les corps pour aller les cacher. On aurait des ennemis un petit peu en hauteur. Ils pourraient nous surprendre. J'aime bien la discrétion, hein, ça m'évite les combats sans fin. Je parlais de la boîte... Teur de caca. Oh, salut Hello! Ouais, pas de soucis, Barjotte, reste en demi-lurk. Comment ça va, Lolo? Bah, tu parlais de ma boîte, du coup, El Rourou. Oh oui, dis-moi que tu vas rager.
Ah, je sais pas à l'avance ça, si je vais rager ou pas. C'est possible, hein. On arrive vers la fin du jeu. Ça peut effectivement être le cas. Ah, par contre, j'aime bien prendre un petit peu tous les embranchements pour voir. Parce que là, on a des ennemis redoutables à battre en défi optionnel. Après, si tu parlais de ma boîte, non, c'est pas une boîte franc-maçon et tout ça. Mon roux. Ouais. En fait, toi, tu viens me voir que pour me voir rager, Lolo. Il est calme. Ouais, il est calme, je dirais. J'essaye de remettre tes mots dans le bon ordre. Il Non, c'est y a pas tromperie gentil. sur la marchandise. Ah, il y a que là-dessus qu'il y a tromperie. Dernière fois, il s'est énervé qu'à la fin. Ah bah après ça dépend des combats que j'ai, je t'avoue. Ce que j'ai le plus horreur, c'est quand il y a des zones avec deux boss à la fois. Parce que souvent c'est des zones de ouf et des fois avec pas beaucoup de comment dire de place pour bouger. C'est un peu notre Hulk, ouais, je sais. Après, avec la fatigue, c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à ce jeu le jeudi. Parce qu'en général, la fatigue accumulée, c'était compliqué. Ah putain, je voulais montrer je voulais monter discret, quoi. Viens là, toi. Voilà, bon, déjà on a tué un. Ah putain, il y en a un autre qui est en train de nous tirer dessus. Ouais, viens. Non, tu mourras pas comme ça, mon gars. Allez, ça c'est fait. Moi qui voulais juste me mettre au-dessus du temple. Putain, et ça fait deux fois que je me fais avoir. Hein. Oui, je sens que quand je vais arriver, voilà, il va se retourner. C'était sûr! Yes, ça commence. Non, pas encore, pas encore. Là, c'est du ralotage, là. Là, ça va, j'ai des PNJ qui bougent un peu, quoi. Comparé à d'habitude. Ok, donc là, on a tué un ennemi redoutable. Ok, on en a trois là, plus un là-bas. On peut pas monter par là. Parce que là, je peux en tuer deux, mais pas trois. Bruce Banner commence à verdir. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis. Alors,
ce qu'on va faire, on va essayer de jouer un peu plus intelligent pour pas aller à confrontation directe. Armes secondaires, on va prendre les boules de terre cuites. Est-ce qu'on peut au moins en attirer un? Ah, bon ben... Non. Olé, bon, on va se séparer, les gars. Viens là, toi. Ouais, par contre, hop, on va prendre du soin parce que... Ok. Allez. Ok, lui il est mort. Ouais, vas-y Ryoma, défonce-le. Allez. Et quand les PNJ ils bougent et qu'ils sont actifs au combat, ça va beaucoup mieux. Alors, ils sont où tous les messages. Oh putain, j'arrive plus à parler. Les boules de qui? Non, pas les miennes. Je les jette pas, j'arrive pas à les décrocher encore. En général, quand ça devient vert, c'est que les champignons commencent à pousser dessus. Ouais, c'est ça. Alors là, par contre, ce qui va être rigolo, entre guillemets, c'est que j'ai trouvé qu'un seul accès pour aller à cette zone. Et c'est pas par là. Allez. Allez hop, remballe tes gold toi. Bon du coup on est tombé. Merde. Comment je fais pour remonter là, moi? On peut pas. Ah putain, ils m'ont cassé l'échelle, les bâtards. Téléportation. Attends. T'as dit remballe tes quoi? Remballe tes gaules. Et on parle pas de la gaule. Je me méfie avec toi quand même. Bon, par contre, là ça m'emmerde parce que je sais pas comment passer. Ici. Il y a des fois, il veut pas courir, il veut pas sauter un truc. Ennemi, ça. Tu cours partout et tout, il réagit même pas le bordel. Ah,
Parce que tout à l'heure, je suis venu là pour l'exploration et cette terrasse, elle est juste impossible à choper comme ça. Faut faire tout le tour de la montagne. Le problème, c'est que là, vu qu'on est en mission, je suis pas certain qu'on puisse, quoi. J'y ai pensé, je t'avoue, mais j'avais jamais entendu cette expression. Je peux même pas te dire de où ça vient réellement, tu vois. Pour être honnête. Par contre, là, ce qui m'ennuie, pour être poli, que je sais pas trop où aller. À mon avis, ça va être là. Ah, il y a une... merde, une bannière. Ah, donc si, on va pouvoir aller là où j'ai été tout à l'heure. Ah, il y a du... En vrai, on n'est même pas obligé de tuer tout le monde, mais... Ah. On fait quoi? Est-ce qu'on passe par en bas et on bute tout le monde pour remonter? Ou est-ce qu'on longe par là et on passe discretos jusqu'en haut? Allez, je vous laisse le choix. On bute tout le monde, ok. Attention, hein, j'ai pas dit que j'y allais en mode bourrin. Hein. Il nous voilà. Il y a lui là. Putain, mais il y a du monde de partout. Eh, hey, tu m'as amené dans un traquenard là, Lolo. M'en fiche du moment que tout le monde meurt. Ouais, mais là, ça va être chaud chaud là. Franchement, si jamais tout le monde, je suis dead. Hein. Trop loin, ça les attire pas. Ah putain, ça attire tout le monde. Franchement, il y a tellement de monde qu'à un moment donné, on va se faire avoir. C'est sûr et certain. Ah, ils sont tournés vers nous en plus. On n'a pas de hautes herbes ici. On va peut-être attendre qu'il revienne pour essayer de le gauler. Ou alors, on va essayer autrement. Ah, j'y crois pas, l'autre il est bloqué dans les décors. Chocolat, ouais, c'est ça, exactement. Bien, quand on a bon.
Bon, après, j'ai dans mes compétences, forcément, vous doutez bien que j'ai débloqué des choses pour me faire un peu moins détecter. Reviens là, toi. Ah, mais j'hallucine, quoi. Le gars, il se rebloque dans les trucs, là. C'est abusé. Non, mais c'est n'importe quoi. Même si je vais buter lui, les deux autres là-bas, ils vont me voir. Ou alors... Merde. Je tombe direct sur lui, quoi. Bon, les gars, vous fritez à lui. Ah ok. Un là-bas. On va changer d'arme. Hop, ça c'est fait. Bon, on les laisse se débrouiller là ou ça se passe comment? S'il y a du monde là quand même. Ok, on en a buté un. Allez, viens là toi. Ok, allez, ça c'est parti. Oh, je lis les messages un peu après. Ok, on a pété tous les ennemis optionnels. Voilà. Je crois qu'on a vidé la zone. Alors, l'ennemi fait une barjotte. Tu es mauvais. Il va aider tes potes. Ouais, non, mais c'est pas une question d'être mauvais. Il faut bien qu'ils prennent un peu d'XP aussi, tu vois. Ah putain. Bon, j'ai rien dit, on n'a pas tué tout le monde. Il y a encore plein de monde, je pense. Il s'arrête où, lui? C'est bon. Moi, je suis un ninja, donc je tue comme un ninja. Ouais. Là, par contre, pour être discret... On va faire comme ça. Niveau discrétion, on repassera, mais bon, au moins, on en a tué un.
Ok, alors là on a la bannière avec le marchand. Donc vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un boss dans les parages. On va peut-être pas l'avoir tout de suite remarqué. Allez, on reprend un niveau, on passe 45. Être coincé dans le décor, c'est la spécialité Barjot. Heureusement que vous appréciez. Non, il n'y a rien à prendre ici. Ok. Ouais, ça c'est le chemin que j'avais fait tout à l'heure. C'est bien. Slash, tu leur fais le ménage. Ouais, j'aime pas les toiles d'araignée. Bon, par contre, là, ça veut dire qu'on va avoir un boss sur la zone où on arrive. Donc je pense qu'on va un petit peu se préparer. On va essayer tout du moins. Voilà. Donc là, c'est possible que je râle un petit peu. Ah, il m'a défoncé l'enculé. Ah bah oui. Bon, attends. Et là je peux pas gérer les deux à la fois là. Eh, j'ai voulu le contrer. Ah non, il est sérieux lui. Non mais c'est abusé. C'est n'importe quoi. Putain, je me rappelle plus comment on change de perso là. Ah voilà. C'est affolant. Bon allez, toi tu commences à me péter les burnes là. Allez, hop, emballer, c'est pesé. Ça va aller, détends-toi le vieux. Merci. Et un boss you se préparer à râler. Ouais, j'avoue. Ah, salut Aiden, excuse-moi. J'avais pas vu que c'était toi. Ouais, t'as vu, je me suis détendu le vieux. Et c'est passé. Bravo, sans trop râler en plus. Et d'ailleurs, si on va par là, les enfants, j'ai oublié de faire quelque chose.
J'ai un petit truc à mettre. C'est ceci parce On est qu'on a venu, gagné. on l'a vu, il a eu dans le cul! Vous l'avez vu? Voilà. Ouais, de rien. Je t'entends râler. Ouais, bah oui, je me doute. D'accord. Fallait se lever avant. Ah, ça va de ce côté-là. Vous Les m'unissons. enfants. T'es pris pour le daron de tout le monde. Moi, mais ça va Ah, peut-être pas quand même. Une façon de parler. Vous êtes mes viewers, vous êtes mes enfants. Et c'est toi qui me dis toujours que je suis un vieux, que je vais me coucher aux aurores et tout. Le son étant décalé, c'est horrible. Vous avez du son décalé, vous, Lolo et compagnie? Après, c'est peut-être parce que toi, t'es juste au-dessus de moi, Eden. Il est peut-être le daron réel de l'un d'entre nous. Il a eu une vie avant de connaître sa femme, la femme de sa vie. Bon, ça, on sait pas, hein? Ou peut-être rafraîchir la page. Non, moi, je peux pas, parce qu'il est juste au-dessus. Il doit avoir l'écho de ma voix plus le stream, je pense. Il y a la femme de ma vie qui me dévisage. Non, j'ai l'impression que le son est bon. Bref, bye bye. J'ai d'autres chats à fouetter. Ok, Aiden. Merci d'être passé, en tout cas, c'est gentil. Ah, pourquoi la doublette, Lolo? Ouais, c'est mon fils, ouais, c'est ça, exactement. Il est venu passer quelques jours à la maison avec son copain. Ah ouais, ok, d'accord, ouais, je comprends, Lolo. Au final, je parle tellement, je vous avoue, j'y comprends plus rien à l'histoire. Ça part dans tous les sens, c'est ce que disaient certaines personnes. C'est une super histoire, mais le fait de travailler avec les pro-shogunats et les anti-shogunats en même temps sur la même partie, c'est on peut vite s'y perdre. On va finir par avoir tout l'arbre généalogique de Slash et Tia. Oh non! Après, j'ai ma fille qui a d'autres chats à fouetter, elle aussi. Après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux, elle va venir, mais bon, elle était venue avec nous sur Fall Guy. Je sais juste que le gros qui a essayé de te buter, c'est ton pote maintenant. Bah, c'était mon pote avant aussi. Clara Morgan disait aussi ça à une époque, ça part dans tous les sens. Ah, une époque lointaine alors, elle a pas dit beaucoup. Hein. Sakamoto Ryoma no settoku o uketa Satsuma no Saigo Takamori wa
Ah d'accord, ok, ouais. Bah après, en commun, bah il y a que bon, ma enfin la sœur de Tiok, vous avez pas eu et que vous aurez pas parce que les jeux c'est pas du tout son truc. Au pire des cas, tu peux l'entendre râler une fois de temps en temps à côté de moi. Et après, oui, les enfants, Tiff, Tia. La petite Flo aussi, et puis voilà. On a fait à peu près le tour de ce côté-là, on va dire. De ce côté direct. Mais oui, on s'entend bien et... Et c'est cool. Ah bah, ça râlait, ça doit être souvent vu ses frangins. Ouah, pas si souvent que ça, elle râle pas tant que ça au final. J'aime bien l'embêter, mais c'est pas... Mais on entend la femme de ta vie te parler de sa douce voix, ouais. Ah, elle a failli s'étouffer avec l'eau qu'elle a dans la bouche, tu vois. À dire des conneries comme ça, Lolo. Ah ouais. Désolé, madame. Ah, la vieille. C'est bien Tia, la pire des trois. Ah, Tiff, il est pas mal quand il s'y met, mais... Ouais, Tia, il y a que depuis que je la connais façon streameuse hein, que je la vois râler. Sinon, en soi, je la connaissais pas trop de ce sens-là. Mais bon, sa sœur est pas mal quand même, mais c'est pas gueulé, tu vois, c'est, ça va être raloté. D'ailleurs, il va falloir que je crée des commandes pour envoyer sur les chaînes de Tia et d'autres, de Dead Eye et tout. Je me rappelle comment on fait pour créer des petites commandes comme ça, pour mettre des liens. La patronne est très gentille. Je dis pas ça par peur des représailles. Elle roule. De toute manière, elle sait où te trouver. Fais gaffe. Venez sur les streams de Slash pour apprendre du vocabulaire raloté. Ouais. Tu joues sur les mots, Lolo. Je parle comme je veux sur mes lives. C'est mignon, je trouve, raloté. Salut Grog, mode Véro. Tu aurais dû décaler à demain et regarder le match. Ah ben non, je pouvais pas. Demain c'est pas possible. Après au pire des cas je regarderai en replay mais bon. Ok alors là. Ah si on a une rencontre fortuite là. Resub. Ah merci pour le resub Grog. En slash vénère, il a son propre vocabulaire, il a inventé sa propre langue. Ouais, c'est ça. Alors, avant d'aller faire continuer la mission, on va juste aller faire ça. Oh, on a... Ah ouais, mais il y a du monde là. Bien le contre.
loupé. Sérieux toi? Oh viens là toi. Et par rapport à mon vocabulaire où j'invente des mots, c'est surtout pour éviter d'être trop grossier. Parce que je suis un personnage très grossier quand je m'énerve. Ouais, c'est un mélange de bordelais et de rémois pourri. Ah super. Mais avec un peu trop de rémois, ça lui va pas. Ah, le côté bordelais, il revient très vite. Hey, il y a une arme que j'utilise quasiment jamais. On va la tester un peu. Alors, ça va les samouraïs? Merde. Oh, le bâtard. Oh. Alors, c'est bien, mais... Quand il me touche après derrière, c'est chaud quand même. Oh putain, il m'a tué le bâtard. J'ai pas eu le temps de me soigner. Bon, c'est tout. On l'avait pas du tout vu à la dernière rage. Mais non, cela, je suis digne d'entrer à l'académie. Ouais, l'académie des ninjas. Le petit Nicolas. C'est vrai qu'il a l'âge adéquat. C'est chaud, ah bon. Bah oui, c'est chaud. Quand il me touche derrière, slash, on en apprend tous les jours. Allez, David, pain au chocolat. Ouais, c'est ça. C'est moi chez Chocolatine. Bon, alors là, du coup, vu que je me suis fait tuer, vous voyez, j'ai un truc rouge, là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est ici, voilà. Cible de vendetta, donc comme un souls. Il faut que je retourne tuer... Enfin, il faut que j'aille tuer la cible qui m'a tué. Pour pouvoir... récupérer mon XP, en fait. Bon, je vais enlever le lance-flamme, ça me saoule. Ah, par contre, un truc que j'ai pas pensé à faire, c'est ça. Normalement... Ah ouais. J'ai jamais essayé ça. Alors, attendez, je lis en même temps. Hein. Impergin. Ça leak les prénoms. Ah, ouais. En même temps, sur le Discord où j'avais partagé mes t-shirts hier, forcément, tu l'avais vu. Et lui il commence à me gaver avec son attaque là. Viens là toi. Allez, vendetta assouvi. Voilà, on a réussi. Allez, l'autre il nous remercie. Bon, ça fait un... Allez, regardez, les collectifs du jeu. Les petits chats.
Rogue a récupéré pas de jurons. Ah merde. Oh bah, loupé. Faudrait que... Ah, sur mon stream deck, faudrait que je rajoute un timer, en fait. Alors attendez, je mets juste un timer. Normalement, c'est 5 minutes. Hop. Je vous fais patienter 30 secondes. Allez, démarrer. Hop, on lance le chrono. Il caresse fort, soit plus doux. Ah, mais ça, c'est le personnage, c'est pas moi. Ok, bon, ben là, on a fait ça. Ah, ce qu'on va faire avant d'aller continuer la mission, ah, il est 22h04, on va aller nettoyer la zone d'ordre public là, parce que 19-18, il aime quand c'est force. Putain. Faut demander à la femme de service. Ça part en couille. Cette merde, dès qu'il y a Lolo sur le stream, ça part en live direct, donc... Bon, alors... Ici, on a 6 ennemis à tuer, j'ai pas vraiment de points hauts. Alors, 2, on a un adversaire redoutable là. Plus 1 là, ça fait 4, il me reste 2 adversaires. J'en ai vu un qui se promenait, et à mon avis, on doit avoir un adversaire redoutable quelque part. Oh, salut Dedai! C'est Toru qui a commencé. Ouais, mais tu mets toujours le doigt dans l'engrenage, si je peux me permettre. Merci de la reconnaître, je me fais accuser à chaque fois. Les deux dans le même panier. Tu as tout à fait raison, Dedai. De ta bouche, t'es en 2000 heures, que c'est pour ça que t'es sage. La violence. Bon, je vais essayer de passer un peu discretos sur le côté, là. Ok, donc ici... Merde, ça c'est un ennemi redoutable, ça. Ah. Ah. J'esquive, ta race. Bon, allez. Ah. Moi, je... Il y a des fois, je comprends pas, quand même. Les contres, là, c'est...
Ok, on a tué un ennemi redoutable. Il nous en reste deux, dont le gros qui est hyper chiant. Alors, si c'était que dans l'engrenage, j'y ai tellement pensé. Ouais, c'était fait exprès en même temps. Et les enfants, aimez-vous les uns les autres? je sais bien le Nodi, mais je t'ai sauvé pour cette fois, c'est moi qui l'ai dit. C'est des lapins, ils sautent partout. Ouais. À dire ça comme ça. Et puis. Ah non, là, c'est pas une rage, là. C'est juste qu'il y a des fois, en fait, les contres. Le timing des contres, il est juste horrible, en fait. Ok, il y a lui. Et putain, mais il est où le. Ah ouais, d'accord. Le mec à sauver, il est là. A remarquer, si je fais ça en vrai. Ah merde, il avait un casque. Faut pas que j'attire le gros. C'est juste ça. Voilà. Bon, le gros, il voit ses potes crever, mais bon, ça le fait pas chier apparemment. Non, slash les uns dans les autres. Il a mis ses lunettes. Maintenant, on peut dire qu'il y a un pet au casque. Ouais, c'est ça, Deadeye. Un joli pet au casque, merde. Là, il est en train de nous repérer, hein. On va le laisser revenir à sa position initiale. On va prendre le bon style de combat tout de suite. Tout est une question d'organisation. Le problème, c'est si je délivre lui. Ah putain, je l'ai loupé. Ok, allez. Ça c'est fait, je les aime pas eux. Il a du ra... t'as plus tes potes, il a dû rager sur eux et les zigouiller. Non, non, on peut pas, c'est dommage. Il s'est frité avec tous, non? J'ai pas su. Ouais, plus ou moins. C'est dur, Deadeye, on se demande de quoi tu parles, Lolo. Merde. Pas censé avoir un coffre là-dedans. J'ai un entrepôt et j'ai que dalle dedans. Normalement, il y a un coffre. Alors là, c'est chelou, là. Le toutou, ouais, c'est... en fait, quand t'es dans ton Agaïa, enfin, ta maison, quoi, tu peux mandater des... Ah si, pourtant, il y a... Des chiens, en fait, leur donner de l'argent.
C'est quoi ce bordel là? J'ai un bug du jeu, c'est pas possible. Bon, je repasserai plus tard. De mon avis, j'ai un problème là. Et en gros, tu donnes de l'argent au chien, t'envoies le tien un peu sur la map, il va dans la map d'autres joueurs, et ça distribue des pièces en argent. C'est une monnaie très rare dans le jeu, t'as les pièces normales, les pièces en argent. Parce que sinon, ouais, souci. Avec la corde, ça c'est mal fini. Ouais, le jeu m'a piégé, ouais. J'ai découvert de bugs comme la bargeotte. Mais écoute, là, c'est depuis le début du jeu, c'est vraiment le premier. D'habitude, quand t'as pas de coffre comme ça, en fait, si tu veux, c'est que t'as un passage secret. C'est pour ça que je regardais le sol. Parce que des fois, t'as des traces au sol et c'est un mur à pousser. Sauf que là, il n'y a rien. À moins qu'ils aient mis un coffre transparent, je pense que ça apparente un peu plus à un bug. Bon, en soi, faut pas tous les récupérer, donc c'est pas la fin du monde. Ah, développement technologique. Merde, vu l'heure qu'il est, on se retapera pas une grosse mission. Donc on peut faire un peu de mission comme ça, libération et tout. Le jeu t'a piégé. Non, non, j'ai déjà été voir sur le toit, Dead Eye. Mais non, parce que quand t'as des zones comme ça de... Mince, je sais plus comment ils appellent ça là. Attends, je vais te dire ça parce que ça me chagrine quand je trouve pas. Voilà, des zones d'ordre public. T'en as certains où t'as effectivement comment dire, des entrepôts. Voilà, comme là. Là, c'est un coffre d'entrepôt. Et normalement, quand tu tues un ennemi, ça donne une clé rouillée. T'ouvres l'entrepôt, t'as le coffre devant, quoi. Ah, un chat. Oh, salut Tia! Il est perdu le monsieur? Non, non, il est pas perdu. Bienvenue à toi. Il essaye juste de trouver des coffres que le jeu me cache. Hop, alors là, il va falloir trouver comment grimper pour aller chercher le chat. Et des fois, c'est bien caché. Et là, en l'occurrence, je vois rien pour monter. Le jeu, il a décidé de se foutre de ma gueule là ce soir. J'ai aucun point d'accroche, j'ai rien de plus haut autour. Alors, des fois... Ouais, là j'avoue, je comprends pas. Alors, c'est parti. Alors, je vais essayer de suivre un peu les messages. Barjot a dit que t'étais la pire dans la fratrie de la famille, Tia. Comment ça balance sec? Ah, super, pour quelle raison donc? Parce que tu râles tout le temps, mais que sur les streams. On parlait de râlage et apparemment c'est toi la pire. Eh, j'ai jamais dit que c'était la pire, moi, en plus t'es vache, Lolo. J'ai dit le contraire, moi. Non, c'est Slash le pire. Allez, vas-y, moi je la défends et elle m'enfonce. J'ai envie de foutre la misère, ça. Parce qu'il disait que la femme de sa vie râlait parfois, et j'ai dit que c'était de famille, mais que tu étais sûrement la plus... J'arrive pas à lire, j'ai une espèce de voile là qui se met sur l'œil. C'est chiant. La pire des trois. Moi je ronchonne, c'est différent. Ouais, bah ta sœur aussi. Bravo, la meilleure pote qui balance direct.
J'ai balancé Barjot, pas toi, Slash. Ah bon, ça va alors. C'est Barjot, ça va. La pauvre. Bon, par contre, j'aimerais bien aller choper mon putain de chat. Comment je vais faire pour monter sur cette pagode là? Y a pas de. Pas de point haut autour. C'est ça qui me fait le plus peur. Il n'y a pas de point haut, mais il n'y a pas de point d'accroche en fait. Normalement, ici, là, on voit un trou, on devrait avoir un point pour mettre le grappin, quoi. Au moins des petits drapeaux pour s'envoler un peu plus haut. Et là, il y a Kutchi. J'arrive pas à lire car bah, je t'écris mal. Un voile sur l'œil, c'est la cataracte. Faut aller consulter. Non, non, c'est des fois, j'ai. Ouais, cherche pas, c'est la vieillesse. Ouais, c'est ça, exactement, Lolo. Même plus Barjot, c'est de l'intérieur de la tour. De l'intérieur, ben, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui sont ouverts. Non, on peut pas rentrer dedans. Ah putain. C'est chic pour aller me foutre dans des trucs, moi. Ah ben vas-y. Ah, puis des fois, les points d'accroche, on les voit bien, et là, on voit vraiment que dalle. Et ça, par contre, ça m'emmerde, parce que les chats, c'est des collectibles, et il me les faut tous. Ah, puis même si j'arrive à monter là en face, c'est pas assez haut. Oh bah allez, j'ai voulu sauter, je me retrouve tout en bas moi. Non, avec l'arbre, il n'y a pas un truc pour... non. Pas un truc pour se propulser sur le toit là. Alors, un vieux proverbe chinois dit, cherche pas à mettre le grappin à tous les trous que tu vois. En cas d'erreur, tu peux te retrouver dans le caca. Son fort, c'est chinois. En plus, le chat, il nargue en miaulant, bah oui. Comment elle va la ronchonneuse? Eh putain, je me perds mes points d'accroche. Bon, mais ça me gaffe, ça. J'ai horreur de ça, en fait. Un truc que je supporte pas, c'est de... D'être bloqué à un endroit et de pas comprendre comment y aller en fait, c'est juste ça. Une grosse pagode, pas de corde, rien du tout. Bon, on cherchera plus tard. Bon app, Tia. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer? Ah oui, si, c'est ça, je voulais aller voir. Là, on a des missions à récupérer. Ouais, je vais bien que ça peut te foutre. Déjà, on va commencer par là. Tu manges quoi du chat? ok, accepter. Oui. Accepter. Oui. Accepter. Oui. Ok, comme ça on finira les défis photo. Qu'est-ce qu'on peut... Alors là, ce qui m'intéresse, voilà, c'est les traités. Je peux pas en acheter d'autres.
96 photographies, 80. Il manque plein des photographies à faire. Bon, et lui là, il me débloque un peu de trucs là. J'ai donné les livres. Ah, enfin. Alors, ça, il me faut quoi? Inventaire plus. Il me reste deux technologies à développer. Ok. Consommation réduite combustible. Ah, ça, c'est bien. Détection. En plus. Il manque encore trois trucs pour ouais, en fait, faut débloquer à fond. Il me faut 40 livres étrangers, j'en ai donné que 33. Ok, 40, ça débloque les trois dernières améliorations. Donc, bah, il me reste 7 livres à trouver. Avec du riz, R-I-E. LOL. Saumon badigeonné à l'huile d'olive moutarde et graines de sésame. Mmh. C'est bon ça. Eh bah, t'as un mini chef T à chapeau bas. Elle a quelques gènes avec sa sœur alors. Sa sœur, elle cuisine bien. Bon, bah du coup, ce putain de chat, on peut pas l'avoir. Ah bah allez, on a une... On a un ordre public derrière nous, on va aller nettoyer. Ah, merde. Ok, 5 ennemis, un ennemi redoutable. Bah déjà, on en a en moins. Attendez, elle a pas fini de manger. On sait pas encore si elle va survivre. Faute de frappe slash pourri. Quand même, tu me sous-estimes. Ah, j'ai vu que tu t'étais corrigé après. C'est juste pour rigoler. Et j'ai faim et l'eau quand je rentre. Je vais pas tarder à dodo slash. Gros programme au boulot demain et mercredi. Ok. Merci d'être passé en tout cas, El Rourou. Bonne soirée. Repose-toi bien. Et à bientôt. Et bon courage pour la semaine, bien sûr. Ok. Excusez-moi, je lisais un petit peu. Ah putain, encore un gros sac là. Un autre là. Allez hop, toi, tais-toi, tu me saoules. Il est où le deuxième là? Ah là-bas. Ah mais il a un casque lui. Je veux dire que je peux pas le choper comme ça. Allez, on farm, on farm.
Alors, question. Alors, ça arrête pas. Les saumons américains, ils doivent avoir la taille d'un sanglier, je suis sûr. non, demain. Viens, on mange des glaces. Ah, j'en ai mangé une tout à l'heure, moi. Petite glace au rhum raisin. Pour les agents. On est dans le premier groupe, du coup. Ok. Alors là, ce qu'on va faire. On va faire comme d'hab en ce moment. On va déjà prendre le bon style de combat. En plus de ça, c'est un fugitif. On va empoisonner la lame. On va augmenter la force. Merde, c'est pas la bonne technique. Voilà. Allez, comme ça, pas besoin de râler. Tu vois si tu... Des piscines. T'as un quoi poney? Ah, j'avoue, je suis d'accord avec Barjot, tu fais pas beaucoup d'efforts quand même. Pourquoi je fais pas d'efforts, Lolo? Parce que je rage pas. Vous, vous êtes content quand je rage, mais ma femme à côté, elle, elle est pas contente. Il en faut pour tout le monde, des soirs pour vous, des soirs pour elle. Râle un peu au moins. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour râler ici? Je sais pas moi. Pas trop loin. Allez, on peut faire un dernier ordre public après tout merde, je pense que je couperai. Demain, faut se lever quand même. Il y en a qui bossent, qui se lèvent tôt. De bosser, je pense qu'on bosse tous. Mais... ils font peut-être des tarifs réduits pour les ASA. Rien, je me retiens. Ta femme n'est pas dans le game. Vas-y, lâche-toi alors. On rigole. Ah, c'est un truc comme ça qu'il me faudrait là où il y a le chat. Là, en vrai, si je pars comme ça, je dirais rien, je me retiens. Ouais, ben bah vas-y, exprime-toi, hein, t'inquiète. Hein. 5 adversaires, 2 redoutables, ok. Ah merde, je me suis déjà fait cramer par un gars. Déjà, il y avait un redoutable là-bas. Et toi, t'es mort. Ouais, c'est sa femme qui... Écoute, s'il dit au contraire, il prend un coup de couteau. Ah, peut-être pas de couteau, à la rigueur, rouleau à pâtisserie. T'as dit, il y a des soirs pour nous et pour elle. J'espère que c'est quand même plus pour elle que pour nous. Ah ouais, parce que je fais moins de stream que je passe de soirée avec elle. Mais bon, il y a les enfants à la maison. Et franchement, là, je suis en train de buter tous ses collègues au flingue. Et même pas, ils bougent son gros fiacre, quoi. Par contre, il est où le cinquième là? Ah si, c'est bon, j'ai encore les boules. Non, 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 arrête tes conneries, David. Ah, il est là-bas le cinquième.
Merde. Ah putain. Bah, le v'là, le redoutable. Oh, oh. Dans la tête. D'ailleurs, va falloir qu'on parle de la garde partagée de Slash un week-end sur deux. Il nique son prénom tout seul. Ah ouais, ouais, je veux dire, j'ai pas de soucis avec ça, moi. C'est pas très grave pour moi, si tu veux. Ok, fugitif vaincu. On a encore le gros là. Ah, c'est pas bien, c'est péjoratif, mais... Allez, on fait comme d'hab. Hop, hop. Il fait trop mal ce bâtard. Allez, c'est bon. La zone est nettoyée. Peut-être qu'il fait une feinte en vrai. S'appelle Enguerrand. C'est pas faux. Moi je prends pas de garde, je préviens tout de suite. Ah merci, c'est sympa Tia, je sais pas comment je dois le prendre. Où tu allais chercher ce prénom d'Eli? Ah, tu me rends triste, Tia, franchement. Titouan. Moi qui pensais qu'on s'entendait bien, au final, aucun respect pour moi, quoi. Tu peux le prendre mal. Ah, putain, saloperie. Tu gardes pas, Tia, faudra payer une pension alimentaire. Ah non, on n'en est pas là. Ah, au pire, prends ta sœur. Bon, allez, de toute manière, on vient de sauvegarder. On va les stopper là pour ce soir. Bon, on va aller vendre quelques bricoles, là, avant. Il est où, le Nagaya? Là. Je vais me siffler tout mon bar. Ah ouais, bon, ça va, si c'est que ça la raison, je peux l'entendre. Mais non, on partage, t'inquiète. Tu gardes Dedai. Ah merde. Ah, ta sœur, elle a dit, elle veut bien te garder, comme ça tu lui feras à manger le ménage. Ça va, tranquille. Ah, franchement, celle-là a été bien trouvée, Tia. Allez, on va revendre un petit peu tout l'arsenal, s'occuper du Nagaya avant de couper. Ouais, ça va, tranquille, ouais, tu m'étonnes. Alors, au niveau des armes, est-ce qu'on a récupéré des trucs intéressants de nouveau ou pas? Un Odashi, au nuage violet... compétence martiale, ouais, non, on s'en fout. Ah, on a récupéré un Nagita, donc celui-là on va le déverrouiller.
Niveau des armes, ok. Au niveau. Ah, celui-là. Ah, gain d'XP. Ok, allez, celui-là, on le. Merde. On va partir comme ça. Armure tête. On va le bazarder. Ouais, ça. C'est la. Oui, c'est la grande sœur que t'entends derrière. Ouais, et puis Tia, c'est la petite. Alors oui, c'est normal qu'elle s'occupe de sa petite sœur. Elle s'en est assez occupée de sa petite sœur. Ouais, c'est ce qu'elle dit, hein. Hop, durée à gain d'XP, un 9. Ouais, non, c'est pas intéressant. Ok. Bon, alors du coup, on va pouvoir et vendre et désassembler. Alors, ce qu'on va faire, on va désassembler tout ce qui est doré. Et qu'on garde pas, bien sûr. Pour récupérer des ressources qui nous intéressent. Ok. Et le reste, on va vendre parce qu'il nous faut un peu de pognon quand même. Hop, tout sélectionné. Merde. Est-ce qu'on a. Non, on n'a rien à vendre ici. Est-ce qu'on peut améliorer un petit peu des choses? On va prendre un level sur le katana. Putain, c'est dommage, il nous manque pas grand-chose. C'est vrai, maintenant, elle s'occupe de son petit mari. Alors bon, on se connaît pas encore, Lolo, mais petit mari, je pourrais mal le prendre. Non, je rigole. Oh, j'ai un émote pour vous, slasher Dead Eye. Team vieux. Bon. Tu le prendras mal ou pas, hein, mais j'ai juste envie de te dire, connasse. C'est amical de ma part, mais franchement, tu pousses mémé dans les orties, Tia. Je sais pas de quoi tu parles. Oh oui. ok, alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer là. Si je fais ça. Ouais, on passe 45. Ah putain, j'aurais dû améliorer le kimono. On va améliorer un peu l'équipement parce que. Et on s'en fout. Ok. Merci, je suis touché. Et j'ai même un émote barjotte. Putain, j'arrive pas à le voir à quoi ça ressemble ton truc là. C'est gros tas de morve? Ah non, c'est Kirby. Oh, de loin avec les yeux qui partent en travers. Désolé. Ah putain, c'est la fatigue ça. Allez, tiens, on va aller au Nagi. MDR. Désolé, Barjot, j'avais mal vu l'émote. Il a refait ma soirée.
Ah, ben écoute, c'est le principal. Ah, vous voyez, on récupère les... Donc les chats, c'est collectible. Et du coup, on les envoie en mission pour récupérer des loots. Tu m'as jamais vu, mais gros tâche pourrait mal... Non, 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 ça n'a rien à voir. Ouais, tu t'apprendras à me connaître, mais non, ça n'a strictement rien à voir. Gros tabou à la Eh, moi je te connais pas, Tia, franchement, elle te connaît depuis plus longtemps, elle abuse. Hein. Dis ça, je dis rien, mais... hop, ah, je vais plus pouvoir en envoyer. Non, je peux plus. Bah, je préfère. Et il y avait un méchant. De loin, les mottes, sans cliquer dessus, ça ressemblait pas à grand-chose. Donc, ça m'a fait penser à ça de loin. Ah, d'accord, ok. Ouais, j'ai pas hâte. Putain. Eh, c'est vraiment une pourriture, celle-là. Je te connaissais pas comme ça, Tia. Hop, on fait le jardin. Aménager, ouais, les accessoires, on s'en fout. Ça sert à rien. Hop, on a débloqué des nouveaux skins. Oh, trop de trucs à faire, allez, vas-y, ça me saoule. Moi et ma phobie d'enlever tous les points rouges qui traînent. Bon bah allez, on va sortir, on va sauvegarder, et puis ça sera bon pour moi ce soir. J'irai la rencontrer dans son Auvergne profonde. Mais oui, elle est gentille, Barjotte. Enfin, de ce qu'on peut apercevoir. Je te pousserai dans un volcan. Les notifications, ça se nettoie. Ah, c'est pas le mien de dos, moi il n'y a pas de tatouage. Bah, pourquoi? Ah ouais, j'ai récupéré des trucs avec les chats. Ah bon, c'est pas. Charisme, non, on peut toujours rien prendre, donc on va garder pour l'instant. Ça en fait un paquet de personnages. Attends, ça me rappelle le dos de quelqu'un. Jason Momoa. Pas sûr, ils sont éteints. Un briquet. Attends, t'es en forme, toi, Tia. Vache. T'as pas dû être violent ta journée. Oui. Bon, bah écoutez, les enfants, comme je disais bien, quand je suis fatigué, c'est toujours pire. Je vous remercie bien d'être passé. Ça m'a fait plaisir d'avoir du monde en cette soirée de live. Je m'attendais pas à avoir grand monde vu qu'il y avait le match de foot. Mais ça, ouais, c'était sympa. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Bonne nuit, l'ancêtre. Merci Barjot, je dirai rien.
Bonne nuit les enfants, c'est ça exactement. Reposez-vous bien et aimez les mottes. Merci les vieux là, ouais, ou je sais pas quoi. Team vieux. bien trouvé quand même. Allez, bonne nuit à tous. Encore merci de votre venue et de faire vivre le chat. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!